tout le monde. J'espère que vous allez bien les gars. Moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on est avec qui? Johan. Avec Johan. Et là les gars on fait un truc, bon j'ai jamais fait ça. J'avais jamais vu ça ici. C'est du off-road hein, c'est ça? C'est un long. Pour que c'est une meilleure accroche, c'est ça? Ouais. Les pneus ils vont se dégonfler, sur le terrain il va se déformer mieux. Ouais, ça va mieux s'adapter en fait au. Voilà. Ça, tu vois, je creuse plus que. Oui, je regarde ce qu'on a monté. Ça, on l'a déjà monté une fois. Hein. On l'a déjà monté. On l'a déjà monté une fois là. Les trucs qui prennent 20 ans à tomber du ciel. On décolle en deux. Oh le bazar. On va monter après, on va dégonfler. J'ai le blocage de différentiel à l'arrière. En gros ça bloque le différentiel à l'arrière. Et du coup j'ai les deux roues qui tournent en permanence. Il a des meudes on va dire, mais mes pneus sont pas homologués moi. Okay. Pour la route. Ouais. Du coup ces pneus ils accrochent moins quoi. Ça tient mieux la route, son truc. Mm-hmm. Que moi le freinage tout ça c'est pas top. Pas top. C'est con là. En plus on n'a pas eu de chance, vraiment il pleut de ouf alors qu'hier il faisait beau, ça avait séché et tout. Là il pleut de ouf, bah il y a un cyclone en fait qui arrive. Hein. On va clairement se manger un cyclone. Ça a changé quelque chose de dégonfler les pneus. Il y a une mouche qui m'a piqué. Une mouche? Ouais, une mouche qui m'a piqué. Incroyable. Les mouches bœufs. Les mouches bœufs. Les mouches bœufs. C'est différent, c'est ça que tu me parlais. Voilà. Il y a une sacrée marche maintenant. En travers. C'est comme ça qu'on crée les rivières, monsieur? Oui, à peu près. Ouais. À peu près, ouais. À peu près ouais. On met le bouton. Ça ne veut pas. Ma calé, c'est n'importe quoi. Moi j'en ai plein la tête mon gars. Ah ouais. Ah ouais. T'es motivé. Motivé le garçon. Le cœur ouais, le cerveau non. Quand j'ai vu ton pull et tout, je me suis dit allez c'est bon. C'est bon. On va commencer à s'accrocher. C'est où tu vas là? À peu près. Le pire c'est qu'on a creusé des trous là. D'accord. Donc tu te rajoutes du défi. Voilà. Putain mais la bête en i et tout là. Déjà quand j'ai sous aux épines hein. Ah, ça fait le ponçage, ça fait tout. Ah oui. J'aurais pas aimé me les prendre honnêtement. Tu vois là je découvre quelque chose avec toi parce que je savais pas. Il y avait ça ici quoi. Ah ouais. Et quand je te dis c'est l'Amazonie, yeah, c'est pas vraiment l'Amazonie. Là il y avait une montée avant mais elle est quasiment impossible. Ici. Elle a l'air longue. Et en quoi elle est impossible? C'est. Ah il manque des pneus, de la puissance moteur.
vide là, monsieur. Oui. Oh putain. Toi, il faut pas appuyer sur le frein. Il faut laisser descendre parce que t'appuies sur le frein et le roi se bloque, tu glisses dedans. Ouais, tu es. Je pourrais venir ici tous les dimanches. Bah tu peux. Et nous on est là. Là voilà, t'as un petit cartel. Un quad, c'est praticable ici? Un quad c'est praticable, mais genre un deux roues motrices c'est chaud. Ouais. Vaut mieux un quatre roues. En deux roues, bah, j'en ai un. Mais c'est vraiment compliqué. Bah, lui il va essayer de monter la pente, mais tu vois, ça va pas. Il est chaud aujourd'hui. Motivé, il y a la caméra. Ah, la caméra, il y a la caméra, ça motive. Ah. Échec. Va-t-il retenter? Il manque pas beaucoup pour que ça grimpe au-dessus, non? Bah ouais, c'est les pneus. C'est les pneus, ça. Ça fait tout les pneus. Les pneus, le gonflage. C'est des 4x4 de base qui sont faits pour ça ou? C'est fait pour le franchissement et tout? Oui, bah, les Land Rover, les discos comme ça, c'est ouais. Pour faire des franchissements. Mais vous faites encore des motifs quand même dessus? Oui, ben, les hausses, sur certains 4x4, il n'y a pas de blocage d'origine, on en rajoute. Par exemple, là, le mien, le blocage, il est d'origine. Ok. Par exemple, le sien, là, il a ni blocage, ni les bonnes roues. Ni les bonnes roues, et ça galère un peu. Mais pour un 4x4 qui est pratiquement d'origine, bah, elle est rehaussée un petit peu en ressort, et ben il fait le taf. Non, je ne vais pas encore rentrer là. On va attendre la fin de la journée. Du cauchemar, au cas où. Sinon. Ouais, t'as dit que tu sais pas à quel profond verser là. Ouais, ouais. Ça se trouve, on peut taper une brasse et tout dedans. Ça se peut, ouais. Ça se peut. Parce que tu peux passer sur la petite butte là et sauter et faire des bons métaux. J'aurais dû franchement emmener un pull et des bottes. Je te l'ai dit. Pas... Tu me l'as dit, hein. Il joue au bonhomme. On a pas besoin de passer le. Ouais, par contre, t'as pas de vite. Off. Ouais, je passe vite. Ça, c'est des raisins marrons. C'est-à-dire? Les raisins marrons, c'est des épines. Je vais me dire, je me mets derrière. Vas-y, si tu veux. Mais tu vas être secoué, moi. Je vais voler, moi, je te dis. Sinon, je mets le genou. Je mets le genou. Allez, tonton! Allez, on met le blocage. Bienvenue dans Far Cry 2. Est-ce que c'est un sport qui coûte cher? Qui coûte cher, bah, l'archer 4x4, il faut mettre le prix quand même. Ouais. Et après, après, il y a toujours des moyens de. Il y a toujours des moyens de trouver des petits business. Des fois, ça arrive que les mecs ils vont les roues pas cher ou il a roulé un an avec et il veut changer de taille, grandir, augmenter la taille des pneus. Mm-hmm. Donc il y a toujours moyen d'évoluer sans trop mettre d'argent. Et il y a beaucoup de pratiquants à La Réunion? Il y en avait beaucoup, il y en a toujours beaucoup, mais il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de. Il y avait des compétitions, des zones entre eux. Et comment ça se fait qu'il n'y ait plus de compétition? Je sais pas. Je
sais pas vraiment. Et bah, des fois, c'est l'humain et les cons, tu vois. Ouais, les gars, moi, je veux voir des compètes de ça. Hein. Monsieur Extreme Forest, de Nicole, lui, il veut refaire des compétitions. Et on est à 100% avec lui, tu vois. Il faut que tout le monde soit motivé à faire ça. Déjà qu'il n'y a plus beaucoup de terrains de 4x4 à La Réunion, tous les terrains ils ferment après les uns après les autres. Tu sais, les parents ils ont un terrain de 4x4, la famille reprend mais ils n'aiment pas le 4x4 et ça suit pas. Ça disparaît. Du coup, pour l'instant, il n'y a que des fous comme nous qui. Ouais, t'sais, les gars, faut relancer ça parce que putain de merde. Si vous aimez ce genre de vidéos, dites-le moi parce que moi ça sera un plaisir de revenir par temps sec ou même par pluie, je m'en fous, mais pour refilmer ça, les gars, parce que. C'est incroyable. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, dites-le moi en commentaire. Attaque la pente. Pas sûr qu'il va monter. C'est parti. Impeccable. Mais est-ce qu'il y a des fois où s'il pleut vraiment trop, c'est impraticable? Ah oui. Ouais. Ça arrive. Cette fosse là elle est impraticable. La fois que je suis rentré dedans et il y avait de l'eau au-dessus du capot, tu vois. Là, c'est vraiment. D'accord, c'est vraiment profond. Si on a un terrain en terre, c'était de la terre agricole. Ouais. Donc elle est vraiment meuble. On a fait des petits passages à droite à gauche. Mais il y avait des chemins déjà existants. C'était à l'ancienne. Avant quand ils plantaient des... D'accord, ils plantaient des... Après trucs. À la base on est dans un champ de tangor là. Je sais pas si t'as remarqué. Tangor c'est des mandarines, oranges, tout ça. D'accord, vois, ok. Les agrumes. Il faut revenir pendant la période des tangors, il y en aura. C'est ça. En plus comme des fois j'ai accès directement ici aux arbres, je peux les trapper, les manger direct. Enfin on fait un roulage et on fait des cueillettes en même temps. L'usure des roues ça va non? Les pneus de 64 ils doivent être durs. Ouais, mais ça prend du temps, c'est pas comme sur la route ou sur les runs ou des trucs comme ça. C'est pas pareil, tu fais que de la terre, ça va. Tes pneus ils sont. C'est un peu cher à l'achat, par exemple, je vais acheter des trépadors là j'ai des Silverstone. Je vais prendre des trépadors, c'est quand même 400 et quelques euros le pneu quoi. Il a essayé de grimper? Il a essayé de grimper, il a pas réussi. Moi je vais essayer maintenant, on va voir ce que ça donne. Tu l'as pas grimpé cette année? Celle-là, on l'a pas faite aujourd'hui, pas encore. J'ai même pas mes repères sur le terrain, tu vois. Toutes elles sont raides de toute façon. Ouais. On l'a descendu alors. Celle-ci, on l'a descendu. Celle-là. On vient de la descendre. Presque. Y'a quoi comme moteur là-dessus? Un moteur d'origine, de liquide. Un RD28T. Et combien de chevaux et tout? Il fait 115 chevaux. 115? 115 chevaux. Que ça? Ouais, mais après t'as la boîte de. Le transfert, ça te fait ton claquette devient tracteur. Ah ouais, parce que ressenti 10 000, hein, clairement. Tout à l'heure, quand tu charges et qu'après tu pars, on dirait. Ouais, quand tu le décolles en deux, couple. C'est. Par contre, ça a du couple, j'imagine. Après, il y a des 4x4 qui marchent beaucoup plus fort. Ouais. Shimano, là. Normalement, il y a. Il y a, je sais plus, 0,9, 0,6, 0,6 d'origine, je crois. D'accord. Et là, j'ai presque un bar. Si j'adore les gars, impeccable, il n'y a plus aucune vision internet, il n'y a que de la banque. Il n'y a que de la banque. Impeccable. Moi ce qui me fait le plus peur c'est les dévers. Tu vois. Les dévers, quand t'es comme ça là. Ah, ouais. Et du coup, moi je me suis renversé mais en proto, tu vois. Mais en 4x4 je me suis jamais renversé. Et j'aimerais pas me renverser en 4x4. C'est chaud hein. C'est par où la 4 voies s'il vous plaît? La 4 voies elle est où? Il n'y en a pas ici. On n'a pas essayé. Il faudrait enlever le range en bas. Ça n'existait pas. On allait faire un peu de toboggan. J'ai toujours aimé le toboggan. Ah, c'est une très grande descente. Tu laisses descendre en première et tu pries pour arriver en bas sans problème quoi. Bon, la prière est quand même dans le programme alors. Mais à la base, ça c'est un terrain, on l'a fait pour nous. C'était pas prévu de d'accueillir des gens. On fait pas trop de rassaut sur notre terrain. Du coup, c'est pour ça, c'est l'Amazonie quoi. Tu vois, tout à l'heure sur le terrain, c'est tout nettoyé. Il y a une place pour manger. D'accord. Il y a des toilettes.
limite c'est... un endroit où tu pouvais faire un peu le compète. Voilà. Ça le toboggan ? Ouais. Allez, je pense que c'est la prière. Allez. Ça va lever. Ça va là ? On fait un coup de bronche ? Ça va. Le mois, il n'y avait pas de chemin de base. Non, il n'y avait pas de chemin. Voilà. Vous roulez combien de fois par mois ou par semaine? En général, quand je fais un peu des. On a une société, S2ATP, je suis un peu la plus. Vas-y. 50 euros. 50 euros, ouais. On fait des travaux publics, des terrassements, des poses de fosses. Mm-hmm. Ça arrive qu'on fait un peu d'exploitation forestière. Du coup, le 4x4, je l'utilise assez souvent, quoi. Ok. Même des fois, quand tu accèdes à des parcelles. Pour faire du terrassement, et ben. Ouais, alors même pour le boulot. Voilà, okay. Si t'as pas ça pour emmener le gazole jusqu'à la pelleteuse, et ben tu l'emmènes pas le gazole. Enfin, le fuel. J'espérais qu'il démarre le run, je sais pas si c'est un petit V8 quand même. Ah oui. Il a une bonne patate quand même. Tiens, il a un look. Ah, il est incroyable. Ouais. Et il croise, mais c'est incroyable. Je sais pas si quand je t'ai envoyé la photo là, tu vois le 4x4, il est déplié, t'as les ressorts, il. Le mien il croise pas et le mien il lève la patte, tu vois. Celui-là il cherche la terre où elle est. Ouais. Ah, ça pète. Il est 1989 ce truc là. 89. Putain, le bruit du V8. C'est 3,5 litres et 126 chevaux. Ça c'est plus des V8 qui se font, ça c'est. Ça existe plus. Ça existe plus. Hein. C'est à carbu. C'est ça, c'est le bruit comme dans les films. Quoi. C'est ouais. Le bruit du V8 des films américains. Ouais. Et là, ligne d'origine, pratiquement la ligne d'origine. Et la tienne elle est de quelle année? 1291. Dans les années 90, tu vois. D'accord. Et... Ça reste des vieilles machines en fait, hein. Ah oui. Ça, c'est un peu... Après t'as les nouveaux patrols, ils sont magnifiques aussi. Hein. Mm-hmm. Les gaz Helix, les trucs comme ça, ouais. Ça coûte plus de 100 000 euros. Quoi. Ouais, ouais. Pour le mettre dans la terre, c'est un peu chiant. Pour le mettre dans la terre, c'est... c'est un peu chiant. Ça fait mal. Alors que ça, là, tu peux l'avoir pour un budget de combien? Monté comme il est, hein. Il vaudrait combien? Si tu devais le vendre... Bah non, on va dire celui-là, je le vendrais pas. Ouais, ouais. Mais en gros, sur le marché, là, tu en trouves entre 5 000 et 18 000 euros. Il y en a, c'est des ouf. D'accord. Et 5 000, tu peux t'amuser déjà ou il faut l'équiper? Oui, 5 000, tu peux t'amuser. Okay. Après, le mieux, moi, je trouve que c'est de prendre une base d'origine, c'est les propres, et tu l'améliores toi-même. Mettons, tu as un budget de... Ouais, selon tes besoins, quoi. Tu as un budget de 12 000, et ben tu prends le truc à 6 000 et tu mets 6 000 euros de truc dedans, tu vois. Ouais, ouais. Ah, parce que tu prends déjà préparé, ça retrouve, ça va être préparé, mais pas pour ton type de terrain que tu vas utiliser, j'imagine. Il y en a, ils préfèrent les roches, il y en a, ils préfèrent la terre. C'est pas toujours pareil. Et toi, tu préfères la terre? Moi, je préfère. J'ai pu comprendre ça. Ouais. Les roches, tu vois, ça a une accroche sur le train avant, sur les arbres et tout, qui est moins que les roches, tu vois. Je sais pas comment dire ça, mais. En tout cas, tu forces plus sur un rocher que dans la boue, quoi. Donc, c'était ça ton proto, hein. Voilà. Ok. C'est là qu'il l'avait renversé. Voilà, avec madame. Là il a des trucs d'usine secrets là-dedans. D'accord. T'expliqueras. Lui il peut limite aller sous l'eau du coup. Il a l'espèce il de le tuba. Ouais. Okay. Le snorkel. J'en avais un, il faisait beau sur mon 4x4 mais il était pas branché donc il servait à rien. Il faisait un peu l'effet placebo tu vois. Voilà. T'avais de la confiance et après tu te rappelais que non. Tu t'oublies quand t'es dans la galère. Le moteur il boit de l'eau et là t'es pas content. C'est tout propre. Je te filme, hein, comme tu vas faire des loopings, ça sera ah des... Ah oui, là oui. Tu notes combien ce Uber là, parce que... Ah, c'est bien là, je vais le mettre à... 10 sur 10. 10 sur 10. Je crois pas qu'il y a des Uber, ils veulent te chercher dans le patron là. Quoi, tu étais... Non qualifiable. Même le bruit de ce moteur là est beau. Mais après il a une petite ligne ouais.
invisible, tu sais. La porte remontée tout à l'heure, là. Incroyable. Incroyable. Je sais pas si à l'image on se rend compte, les gars. Ça monte, hein. Ton pilote. Pilote arrive. Bon, désolé Thierry pour la casquette, mais je pense qu'elle était faite pour ça. Hein. Bah, je pense oui. que là elle est baptisée comme il faut. Là, mais si tu gagnes la Huracan ou la Ferrari. Je viens ici avec. Pas sur le terrain. Mais tu peux venir me voir et me faire un petit tour. Hein. Tu m'étonnes. L'extrême. Un garde-boue qui s'est envolé, je crois. Tout le bruit là de tout le bruit. Ouais. Je me suis fait biffler par Madame Nature. J'ai peur. Hein. Et ça d'accord. Ouais, c'est un peu de la merde. Ça, c'est pas d'origine, ça. Je vais tout remettre bien d'origine. Truc de ouf les gars, on est sur le deuxième terrain là et il vient de monter tout ça. On va essayer une deuxième fois. C'est incroyable. C'est condition extrême là, non ouais. Trop de glaçons. extrême forest. Toi, t'en connais là des 4x4 qui sont capables de monter là dans. Avec la terre, comment là elle est déjà. Comme là, le terrain il est. Ouais. Dur. Faut trouver, mais. Ce sera dur. Alors, du coup, Johan là, qu'est-ce que. Ça s'est embourbé. Là, on est un petit peu coincé. En fait, on est posé sur le vent du 4x4 là. Ouais, c'est. Ah oui, c'est à plat. Ah ouais, ouais. Aussi, c'est à plat. Mais en fait, à force de passer et d'essayer, si vous voulez, ça va creuser deux trous qui font que après, quand il arrive, et eh ben, comme là, ouais, le dessous il vient se bloquer ici. Ouais. Essayez de grimper, c'est ça? Oui. C'est un peu compliqué quand même. Là, il y a presque 1m20, 1m50. Ah ouais. Attendez les gars, moi je suis un ninja. Bravo. Impeccable. On est bien. Je suis plus la cam. Je suis chez le plus là, c'est plus propre. Là oui, je suis pas. Oui, c'est fait. C'est impeccable. Nickel. Ça va non? On dirait la reculer. Je cherche le treuil pour pouvoir me sortir de là, il y a un problème avec la télécommande, elle marche pas.
y a un problème avec la commande du trail, ça marche pas et du coup là il est en train de tirer. Très manuel. Sur Instagram si je me trompe pas, c'est Insta, c'est Axdrog974. Ok, et sur TikTok, sur TikTok Axdrog974 aussi. Pareil. Et la page Extreme Forest. Yes. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'était un plaisir les gars. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et de m'avoir fait vivre cette expérience parce que c'est la première fois que je vois ça. Merci à toi aussi Pascal. Comme t'as dit, c'était le tournage dans le plus vieux là, je suis complètement trempé. Mais ça va, t'as pas trop de boue toi. Tu vois, contrairement à certains qui étaient jusque qui étaient dans la piscine carrément. Bon les gars, en tout cas, si ce genre de vidéo vous plaît, il y a un raton qui va être organisé très bientôt, donc ça serait quand? Le 12-13 mars prochain. Ok, le 12 et 13 mars prochain. Donc si ça vous intéresse que j'en refilme un sur la chaîne, dites-le moi en commentaire et mettez un maximum de likes, partagez la vidéo. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, c'était TN15, à très bientôt.